parce que j'ai souffert de gorgo. Je venais avec Gilias quoi. Et je suis fatigué là-bas. C'est dur quoi. Toi Maroc, Azérie, avec Maroc. Sauf que je suis corbeau ici. Je suis sorti en 2015. Mais là, tout, il se lève. Vous étiez ici, vous êtes en forêt. Vous étiez ici. Bon, bien vrai, on a arrêté, mais on mange bien, on dort bien tranquillement. Moi, hier, on dit, monsieur, par favor, donne ton taquette, on te garde dedans, ici, 10 semaines ou 3 semaines comme ça, avant que tu coules. Sinon, il n'y a rien du tout. C'est ça. À part ça, il n'y a rien du tout. Sinon, on mange tranquillement, il n'y a rien. On attend sa libre. C'est juste comme ça. Parce que j'ai payé le 25 février 2016. J'étais en Maroc. Maroc, j'étais au forêt, au Burkina. Je fais là-bas 8 mois et quelques jours comme ça avant de rentrer ici. Moi avec mon frère aussi. Moi, j'ai fait escale en Algérie. J'ai travaillé là-bas et puis après j'ai venu par Maroc. J'ai fait 2 mois dans le forêt là. Ça, là, on est rentré. Rentrer par la barrière. Oui, des amis avec des cargos de biche avant de commencer. Oui. Mais ils sont toujours au forêt. Là, vous souvent, il fait froid, il n'y a pas à manger, il n'y a pas d'eau bien à boire, tout ça, il fait froid. Le militaire marocain vient chaque matin à 6h ou à 7h, il mélange, il frappe. Fait tout ce qui se passe en notre métier, on brûle tout. Et après, maintenant, on descend le village de Benissa ou Sanado, aller demander les couvertures pour venir nous couvrir. Tu vois, ça, la situation. Bon, je passe au moins 500 comme ça, ils vont en salle et ils sont tombés. Ils sont au nombre. Ça arrive aux 500 personnes comme ça. On a venu, je cherche, c'est en Europe, c'est moi qui cherche rentrer pour avoir travaillé quand il m'en a venu demain. Et Inch'Allah, Dieu merci, je suis rentré. Ah oui, c'est ça. Nous, on remercie Dieu pour que ça puisse continuer comme ça. C'est à cause des souffrances qu'on est sorti, quoi. Pour puisse aider dans la famille, parce que la famille, il n'y a rien. Il n'y a rien à manger. Ils souffrent, nous-mêmes, on pense. Et bon, ils sont vieillis, ils n'ont rien. C'est bon. C'est ça, nous, bon, on a demandé, bon Dieu, quoi, pour sortir en aventure, pour avoir d'argent un peu. Tu vois, nous tous, nous sommes des frères, on a même ça. Juste, on a fait beau ça ensemble, 120 personnes. 120 personnes. Bon, là, il y a Malien, il y a Burkinabé. Il y a Ivoirien, il y a Guinéen, il y a Camerounais, il y a Congolais, il y a Ghanéen. C'est-à-dire tous les autres Africains qui sont là. Ils sont là. Même en forêt, ils sont là-bas. Really? Je voulais dire toujours, bon, quand on a rentré ici, voilà, il n'y a aucun lien problème de tout. Simplement, nous, on veut le salida. Sinon, il n'y a rien de tout.